Aïe Bachir 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir mes chers frères et sœurs. En espérant que vous passez une bonne soirée. Chers amis, où je voulais emmener, si vous voulez, ma vidéo, ou la direction à prendre. Excusez-moi. Hop là. Donc, la deuxième vidéo concernant, excusez-moi, concernant la chaîne sociale. Donc, j'ai fait des posts. Ou dans ces postes, eh bien, j'insère des amis, parce que ces amis-là, eh bien, je les vois bien jouer le jeu de cette page sociale. J'ai vraiment envie de créer un lien social. Certes, il sera peut-être, comment dire, numérique, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va bien plus rapidement. Alors cette chaîne aussi, le but, c'est aussi, vous savez, quand certains jeunes cherchent des formations et qu'ils galèrent pour trouver une formation, eh bien, à présent, nous avons, et aussi, cela va aussi vous donner l'envie de développer quelque chose pour pouvoir rendre service à vos petits frères, à vos petites sœurs. C'est-à-dire, penser à se mettre à son compte. Être son propre patron. Voilà la différence entre le logiciel purement français, ouvrier, qui gueule quand ça ne va pas. Certes, nous sommes comme ça, mais là, pour le coup, nous sommes dans une situation où, eh bien, la diversité doit reprendre sa place. Pourquoi, mes amis? Parce que nous avons dû mai 68 comme une révolution, ce qui était un total mensonge. Mai 68 est quelque chose qui a été réfléchi par des petits bobos inspirés par certains philosophes et qui ont décidé avec l'appui des Américains. Bien sûr, ils étaient déjà là. Le méchant Satan, Al-Dubillah, ils étaient déjà là. Et nous avons grandi avec, oui, 68, oui, la jeunesse, oui, se révolte. Non, c'est pas là que ça a commencé. Vous savez, ça a commencé quand? Et là, je salue mon frère Ziad. Salam alaikum, frère Ziad, à la manif CPE. Là, ils ont vu que la banlieue, elle était puissante. Ils ont senti que si la banlieue commençait réellement à rentrer dans le game de la politique, ça allait devenir compliqué. Alors là est arrivé. Je roule avec le shit squad. Je roule avec le shit squad. L'apologie du cannabis, etc., etc. Qui a malheureusement, alors beaucoup d'appels, mais peu d'élus. Quel rappeur
s'en est sorti réellement, c'est-à-dire avec beaucoup de talent, à part certains artistes qui ont du talent, des gens comme NTM, qui sont des gens qui font de la scène, il faut les voir en concert, c'est des gens qui font de la scène, qui sont faits pour ça, des gens comme Rov, des gens comme Booba, oui, des grosses pointures du rap, ensuite, voilà quoi, c'est des petits trucs, des petits contrats, mais bon, nous, nous n'en sommes pas là. Cette chaîne sociale a pour but de faire développer les choses. Cette chaîne sociale a pour but pour voter pour Farida Belghouli si un jour elle se présente en tant que ministre. Mon but, notre but, car si vous rejoignez chez Bernard, c'est que nous voyons à peu près les choses de la même façon, mes très chers amis. Notre but, qu'il y ait un peu plus de couleur dans le gouvernement. Notre but, c'est d'écouter ce que nous, on a à dire. Et pas ceux qui nous représentent. Parce qu'il n'y a personne qui a décidé qui est représenté, qui. D'accord ? Donc, vos ministres, de toute façon, on en a la preuve avec la crise des ministres qui est actuellement avec Castaner. Donc, vraiment, des ministres qui étaient l'ami à Macron. Et puis, au fait, pour développer sur Macron. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Dib, je crois, qui fait des vidéos sur YouTube. Bon, il a peut-être un logiciel un peu de droite, mais parfois, il développe des théories, ma foi, un peu, ça pousse à la réflexion. Et d'après le sondage qu'il tient en main dans cette vidéo, eh bien, Macron a été élu par les bobos. Ouais, par les bobos. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez le genre de hipsters, vous voyez, avec la barbe taillée, on dirait un Playmobil quand il marche, vous voyez, ce genre de raclo qui joue les bosses. Ouais, vous savez que les sites Pôle emploi, les sites La CAF qui ont été refaits, vous croyez que c'est parti par ces petits bobos qui prennent des grosses sommes et souvent. Bien malheureusement, ils sont souvent en panne. Enfin, bref, passons. Le but de la chaîne est de reprendre confiance. Le but de la chaîne est de se donner confiance. Le but de la chaîne, justement, c'est de remettre en fonction cette chaîne qui devrait exister au sein de la diversité. Malheureusement, nous sommes utilisés, j'allais dire, entre guillemets, hein, pour assurer leur spectacle. Alors on leur vend le spectacle et en plus, on s'occupe de la sécurité du spectacle. Ouais, oui mes amis, c'est comme ça que ça se passe. Pendant ce temps-là, au gouvernement, rien qui change. Nada. Johnny est mort. Chirac est mort. Peut pas qu'il repose en paix, mais c'est juste pour vous dire que nous sommes dans un moment d'Internet qui va changer. Et je suis venu sur Internet pour participer à ce changement. Peut pas a ouvert la porte à la diversité. C'est vrai. Et quand j'entends que Alain Soral a mal parlé sur Tepa, eh bien, c'est pas très cool, monsieur Soral. Preuve que monsieur Soral et les Noirs, peut-être que ça fait deux. Vous comprenez? Pour les nouveaux abonnés, je vous remercie
d'avoir rejoint la page à Bernard. Je vous invite aussi à envoyer une invitation à la page Facebook Les Amis de la Banlieue, s'il vous plaît. La photo de profil, c'est moi avec un cigare, mais je vais la changer après, par la suite. Hein. Mais je vous invite, même ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, normalement je devrais recevoir, voilà, je suis monté à 200 et quelques abonnés, je devrais au moins avoir 200 et quelques abonnés sur la page Les Amis de la Banlieue. Parce que on va se servir de ces deux médias pour échanger. Ensuite, il y aura la sœur, d'ailleurs, sa chaîne, je vous la donne de suite. Excusez-moi. Hop là. Donc, c'est Fifi Rouge à Lèvres que je vous invite à écouter. Ces vidéos sont intéressantes car elles sont pertinentes. Et d'ailleurs, c'est Fifi, pour les intimes, je ne suis pas un intime, mais bon, je suis un intime numérique, si vous voulez. Eh bien, Fifi partagera avec moi les histoires de live, lesquelles je vous ai parlé hier. Et d'ailleurs, pour les femmes qui sont abonnées à ma chaîne, je vous invite à rejoindre la chaîne à Fifi Rouge à Lèvres, qui, elle aussi, est une dissidente, ma foi, mais surtout, avant tout, quelqu'un de très humain qui comprend l'humanité et le malaise social que nous traversons. Je vous souhaite une bonne soirée, mes très chers amis. Merci, Gamel, de liker. C'est cool. Je pense que tu as compris le message. Nous devons continuer le combat associatif, mais sur Internet. Sur Internet. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao. Que Dieu veille sur nous.